La franguée. Super. Il y en a chapeau. Chapeau vert. Enfin, c'est quand même. Le sourire à Eric. J'ai jamais pensé qu'il y avait trois accélérations en partant. J'étais obligé d'envoyer devant la tribune encore et en face encore. Et c'est qu'un deux ans. Et il fait quand même un super chrono, donc pour toi, c'est toujours bon. Ça n'enlève rien de sa qualité, il est tout bon, aucun problème. Vous êtes partout, vous. Allez, Jacques, prends la photo. Allez. Sous la pluie, mais... Sous la pluie, mais... C'est très plaisir. Ah ouais. Mais bon, il le fait toutefois pas mal. Bravo Loulou. Ah, merci. Et il sait bien quoi faire pour être dans le bêtisier. Il veut dans le bêtisier. Les canonniers d'Arsenal, On a mis du 3-0 pour Monaco. On va les niquer. À 75 pounds. Il n'y a pas moyen. À gauche, hein. On n'a pas le choix. On va faire la conférence de presse de Valère Germain, Manu. Oh putain, la vache. C'est impressionnant, cette salle de presse. Hein. Ouais. La Bidal, il est là ou en maison de retraite? Il en a vu. Ah, il y a du monde pour écouter les conneries d'Emmanuel Allard. Tellement Monaco est nul, avec son attaquant vedette, Germain, ils ont mis deux buts pour être sûr qu'il arrive à marquer. Voilà. Et, par contre, Arsenal jouera quand même avec un seul gardien. Deux fois. Attends, est-ce que le monsieur, il filme? Impressionné, oui. Non, j'ai la même à la maison. C'est... Non, c'est bien, c'est immense. Ça fait quelque chose quand même d'être au cœur de l'événement, là. Ah bah, extra, hein, c'est un privilège qu'on a. Donc, faut qu'on en profite toute la première mi-temps. Allez, Valère Germain. Allez, Valère. C'est où, Messenger? Oui, il paraît que tu es le plus grand journaliste de la presse nationale. Ouais, je sais, tout le monde me veut, mais là, je suis pas dispo. Là, il y a Michael Owen, il vient de faire une photo avec toi. Il m'a demandé. Il m'a dit, ouais, Manu, vas-y, tu peux faire une photo. J'ai dit, oui. Non, mets pas ça. Voilà, seul. And if you're going to score a goal for the club, just one goal.
You might as well make him an historic player. Tell us about that match, your memories and excitement. For those who don't know, what was the scoreline on the Bell Conga? It was about the second game. Pourquoi je marche comme un cow-boy? Mais non, on est mieux garé dans les C que les A et les B. Les B, rien. C'est pas compliqué. Le plus riche, il a 10 000 euros de gains. On va pas loin. T'expliques ça comment? Ils sont pas bons. Et à chaque fois que je suis rentré, c'est pareil, on a qualifié 20. À chaque fois que je suis rentré des qualifs, j'ai dit... Il y en a un seul, allez, peut-être deux, où je me suis dit, tiens, on va avoir deux chevaux de course. Alors les chevaux de groupe, on n'y pense même pas. Et ça s'est avéré exact. Quand ils se qualifient pas bien, en général, c'est pas des, ça c'est pas des bons chevaux. Moi, à chaque fois que j'ai vu ça, je me suis miré plein de fois dans des poulains, arrivé au qualif, bouf, timide. Et ben, toute leur carrière, à la base, c'est des bons chevaux au travail, et du coup, en course, ils sont timides. Alors pourquoi? Parce que je sais pas comment ça s'explique. Mais c'est comme ça. Quand ils sont timides au calife, ils sont timides toute leur carrière. Après, il y a des chevaux qui restent timides, mais qui ont un tel potentiel qui arrivent à gagner leur vie, mais jamais sans faire de coups d'éclat. Quoi. Ça peut jamais faire des. Ça peut faire des bons chevaux de course, mais pas des chevaux de groupe. Après, la classe, c'est un cheval qui va vite et longtemps. C'est ce que tout le monde recherche. Et ah bon après cela, faut qu'on fasse interview, je vais à Avron cet après-midi. Parlez-nous de cette histoire là de whisky. Très fanade whisky. C'est... Pardon ? Je suis très fanade whisky, moi. C'est mon apéritif préféré. Mais ça se boit par la bouche, t'es au courant ? Moi, je fais tout avec ça. Ludovic qui nous dit que t'es un grand joueur de poker. Confirme ? Non, j'aime beaucoup le poker, mais en revanche, je suis une burne au poker. Olivier qui nous demande pourquoi tu n'entraînes plus très cool du coup. Parce que j'ai pas le niveau. Un petit gars que tu connais un peu, Antoine Triolet, il nous demande si t'as une bonne équipe chez toi. Non, j'ai que des baltringues, mais je les adore. J'avais 30 ans, j'étais à la rue, j'avais rien à perdre. Alors, allez, on y va. Et puis, en fin de compte, on est revenu parce que, faut pas croire, mais la gamelle des autres, en général, est rarement aussi bonne que la nôtre. Qu'est-ce que t'as tiré comme enseignement de ton expérience, justement, en Australie ?
la valeur de l'argent. Oh, Cash Driver, c'est l'embelli. Ça... Il n'y a pas de contrainte. Quand c'est... on n'est que Cash Driver. C'est la plus belle place dans le milieu des courses. Ah ouais, de loin. Il manque quoi à Tony Lebeler pour nager dans le bonheur? Ah non, rien. Je fais exactement, je mène la vie que j'ai toujours voulu mener, il me manque absolument rien.